n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Une ville quadrillée par les forces de l'ordre et ses hélicoptères d'attaque Mi-24, non loin du palais présidentiel, déclarée zone interdite. Abidjan en état de siège ce matin. Dans les quartiers, toute velléité de regroupement est tuée dans l'œuf. La manifestation que les deux principaux partis d'opposition ont finalement décidé de maintenir reste interdite. Les forces de l'ordre appliqueront fermement ces consignes à l'aide de gaz lacrymogène ou à balles réelles. Il y a des morts, c'est sûr. Les correspondants français que nous sommes ont été menacés et sommés par les militaires de rester chez eux. Les radios étrangères, RFI, BBC, ont été coupées à la mi-journée. Apparemment, le régime de Laurent Gbagbo a décidé de mater l'opposition sans témoin. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, ils tombent aussi. Ouais. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. À Bobo, dans le secteur du 32e arrondissement, 12 morts, selon des renseignements recueillis, ils ont été lynchés par les populations mécontentes. À Bobo, dépôt 9, un manifestant tué par balle. À Bobo, Sinekoul, un manifestant abattu. Marc-Aurélien Mambo, un manifestant atteint par balle. Yopougon Sable, un manifestant abattu. Agamé Dipres, un jeune de 15 ans, tué par balle. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. Au total, le bilan de la manifestation est de 25 morts. À Bobo Kletcha, nous n'avons pu constater que 4 corps. À Djamé, un corps non identifié a été découvert à Sitaraï. Bramakoté, Dame Waba, de nationalité ghanéenne, a été tué par balle à sa porte. PK18 Andokwa, Moussa Koulibaly, 40 ans, tué par arme blanche, découpé à la machette. Au cours de l'opération, des opérations de RAF et d'interpellation ont été réalisées comme il est de coutume en pareille circonstance. Il s'agit d'opérations des ratissages et de sécurisation et non d'opérations qui visent des personnes ayant des noms à consonance religieuse. À ce jour, nous sommes à 37 morts, dont un à Yamoussoukro. 37 morts, dont un à Yamoussoukro. Le directeur général adjoint, directeur central de la police judiciaire, a été instruit pour ouvrir une enquête policière en vue de déterminer les causes et les circonstances dans lesquelles ces individus ont été tués. Ils n'ont pas tiré. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. C'était pour intimider les gens, pour qu'ils restent chez eux, pour qu'ils ne sortent pas. L'émotion était à son comble au cimetière d'Abobo Baoulé. C'était à l'occasion de l'inhumation des victimes de la marche des 25 et 26 mars 2004. Pour la secrétaire générale du RDA, un constat s'impose. À ce virage qui constitue une étape importante de la lutte pour la paix. Si l'enterrement des martyrs coïncide avec l'actualité, le sacrifice de ceux qu'on pleure n'aura pas été vain. C'est désormais auprès de vous que nous viendrons chercher la force et la patience nécessaires pour poursuivre notre lutte. Aidez-nous à ne pas céder à l'incompréhension, à la division et à l'impatience. Ce n'est qu'un au revoir, oui, nous reverrons. Ce n'est qu'un au revoir. Ils n'ont pas tiré.
C'était pour intimider les gens pour qu'ils restent chez eux. Mais les officiers sont là. Et si moi je tombe, eux ils tombent aussi. Ouais.